Léopold, bonjour Zoélie. Alors Léopold, tu vas nous présenter quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Un kit de magie. Un kit de magie. Alors on a trouvé ça en grande surface, au niveau des caisses. C'est spécial magie, ma pochette fun. Alors Léopold était très très curieux et on va découvrir ce que c'est exactement. On l'a pas ouvert, c'est vraiment une grande découverte. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Comment ça nous fait ? Et c'est à partir de 6 ans, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Alors Léopold commence le déballage. Alors, dans cette pochette, qu'est-ce qu'on a ? Comment utiliser la pochette ? Donc, d'abord, la notice, on a une baguette magique. La notice d'utilisation, et ils disent dans un premier temps qu'il faut fabriquer sa baguette magique. Et on a ce qu'il faut pour fabriquer la baguette magique. Alors, comment ça se passe ? Il faut le schéma et du scotch. Et du scotch. Donc, voilà le scotch. Dernier pour consolider le tout. Et voilà, un petit bout de ruban adhésif pour tout tenir. Tadadam ! Et tu as ta baguette magique. Par contre, je vais y faire un petit manche parce que ça fait un peu mal aux mains. Un petit manche. Et après, qu'est-ce qu'on a là ? Bienvenue à mon spectacle de magie. Ça, c'est l'affiche pour le spectacle de magie. Il y a le serment du secret. Et oui, un magicien ne doit jamais révéler ses secrets pour ses tours de magie. Ça, c'est des invitations au spectacle de magie. Une fois que tu t'es entraîné à faire tes tours, je t'invite à mon spectacle de magie, le temps, à telle adresse et à telle heure. Et ils nous disent de le photocopier et de le donner aux copains. Voilà. Le diplôme du magicien, c'est après avoir eu ce diplôme qu'on peut inviter au spectacle de magie et faire ses tours de magie. Et enfin là, c'est les fiches, et il y en a plein parce que c'est recto verso des différents tours de magie. Alors, il nous présentera quelques tours, on ne va pas tous les faire, mais quelques tours de magie. Et là, nous avons des pièces, un joker, un faux doigt, un foulard et des rouge. Cartes. Et des cartes, oui. Et notre nouveau magicien, le spectaculaire magicien Léopold. Et il me faut un chapeau. Et un chapeau. Alors ça, je ne sais pas si on a. Alors je vais le faire apparaître. Tu crois que c'est le bon chapeau, là ? Non. Abracadabra, on en fait apparaître un autre ? Non, c'est pas le bon. C'est toujours pas le bon. Abracadabra, on en fait apparaître un autre ? C'est le bon chapeau ? Non. Je crois pas non plus. Abracadabra. Ah, enfin j'ai mon chapeau. Tu as ton chapeau de magicien. Bravo Léopold, tu le mets sur ta tête. D'accord. Voilà, drôle de chapeau de magicien. Mais c'est son chapeau de magicien. Et là, qu'est-ce que tu vas faire apparaître ton assistante magicienne? Oui. Alors, et c'est qui ton assistante magicienne? C'est Lilou. Attention, abracadabra. Lilou, apparaît. Bonjour. Bonjour Lilou, tu es apparue sous la baguette magique de Léopold et tu es l'assistante de Léopold et ouais. Toi aussi, tu vas réaliser quelques tours de magie. Oui. On est prêt pour le spectacle. Tu vas nous présenter un petit tour, Lilou ? Oui, il faut juste un crayon pour ça. Il tient tout seul. Waouh ! Bravo! Encore, je veux encore des tours de magie, moi. Bon, mais c'est quoi ça, Léopold? C'est quoi? Quoi? Ben, t'avais une pièce. Ah, j'ai oublié de me laver. Oh! Bah, et bah ça. Ah, aïe! Encore une pièce? Mais j'ai une boule de pièce. Mais il est précieux, Léopold, là. Encore une! Encore une? C'est quoi là-haut, ça? Dans son chapeau de magicien? Oh! Mais on va devenir riche! On le garde, Léopold, on le garde! Il n'y en a plus! Il a des pièces de partout, il n'y en a plus? Oui! Oh, encore des tours de magie! Alors là, c'est moi qui vais en faire. Allez, on va te regarder. Alors, Léopold, voilà. Quel tour tu vas nous faire maintenant? Le chapeau. Oh, on te regarde. J'enlève le chapeau, il est vide, vous voyez? Ah oui, le chapeau, il est vide. Tu le poses. Je donne un coup. Abracadabra. Et le mouton va apparaître. C'est bon, il est apparu. Un mouton est apparu? Maintenant, je vais aller le chercher. Oh! Oh! Mon
petit mouton. Bravo. Allez, c'est l'heure de rentrer. Et on va le faire disparaître. Allez, voilà, bonjour. Voilà, je le fais disparaître. Et ton chapeau est vide à nouveau. Bravo, Léopold. Regarde. Il est en vert. Alors, maman, tu vas choisir une carte. Allez, je choisis une carte que je montre au spectateur. Sans rien dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je la remets dans le trou. Je la remets dans le jeu. Et c'est quelle carte? Le 2 de carreau. On vous la montre? Bravo, Léopold! Allez, montre-nous. Nous avons marqué le carreau en jeu. Oui. Et choisissez une carte. Je choisis une carte, est-ce que je la montre à la caméra? Oui, tu... Hop, tu la mets choisir une carte. Regardez. Voilà. Et je la mets ici. Voilà. Et maintenant, on va venir placer. Et vous la retrouvez. Non. Et voilà. Oh. Bravo, Lilou. Il s'agissait de 6 de pique, c'est bien ça. Alors là, on est bluffé. Abracadabra. J'ai plus de crayon. Ah oui? Tu vas faire apparaître un crayon? Ah oui. Abracadabra. Oh, bravo! On l'applaudit bien fort, notre petite magicienne. Et c'est fini. Et c'est fini. Au revoir tout le monde. Au revoir les magiciens. À bientôt pour un nouveau spectacle.